62 voix pour, c'est une large victoire pour Don Jorge Gianni. Le maire de Lecce di Portiveu est aux distances de 20 voix à son rival de Femagurtiga. Le perdant félicite le gagnant. À quelques mois des élections, l'échec est amer pour la majorité territoriale. Cette élection a été politisée et vous connaissez mon sentiment sur le sujet. Je pense que le Civadec doit être le lieu privilégié où toutes les intercommunalités doivent être représentées et où le travail des uns et des autres doit nous amener à sortir de la crise. La composition du bureau divise les élus. Deux vice-présidences sont proposées à la communauté d'agglomération de Bastia et trois pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien. En début d'après-midi, les élus de la CAB, du Cap, de l'île Rousse-Balagne et de l'Alta Rocque et d'une partie du Sud refusent de participer au vote. La garantie d'application du plan d'inclusivité de Corse n'est pas acquise. Donc ce que nous demandons aujourd'hui aux candidats élus et que nous reconnaissons en tant que président, la démocratie a parlé, je l'en félicite pour son élection. Pour autant, nous souhaitons avoir des garanties sur l'application du plan de la collectivité. On entend parler déjà de centres de surtri, il n'y a pas de souci, sur Ajaccio, sur Monte, et on va déjà plus loin dans les CSR, donc c'est trop rapide. Les opposants partis, l'élection des vice-présidents devient une formalité. Seule voix discordante, celle de Jean Perrenet, l'élu du Valinco, ne veut pas que sa commune de Vigianello serve d'exutoire pour tous les déchets de Corse. Aujourd'hui, je considère que non seulement on surexploite Vigianello, qu'on n'a pas de solution, parce que c'est l'incapacité à trouver des solutions qui nous condamne. Que non seulement on n'a pas de solution, mais qu'en plus on n'a aucun respect pour notre village. Dans ce scrutin, le poids politique du président de la CAPA aura été déterminant. Pour Laurent Marcangeli, il faut changer la gouvernance du Civadec. Chacun doit prendre ses responsabilités. Je rappelle tout de même qu'il y a un vote qui s'est exprimé, qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Soit on dit, on travaille tous ensemble, si on a une petite divergence, on la fait trancher par le vote. Soit on fait un enfant capricieux et quand on a perdu, on fait la tête et on s'en va. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Ou sinon, je vais vous le dire aujourd'hui, j'exprime mes doutes et mes craintes. Si à l'avenir, certains votes ne vont pas plaire à tout le monde, on va être dans des situations de blocage à longueur de temps. En signe d'apaisement, les deux vice-présidences de la CAB ont été laissées vacantes. La porte du dialogue reste ouverte.